Tout le monde n'est pas fait pour ce métier. Et puis de toute façon, si ça marche pas, t'es pas obligé, pas forcé. Tu laisses, tu vas faire autre chose. Mécanicien, menuisier, couturier, bref, fais comme tu veux. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de l'orientation d'un étudiant dans notre milieu. Pour un étudiant qui vient fraîchement d'avoir son bac et qui veut embrasser le métier de communicateur. Bon, je veux dire de cadreur, vidéaste, machin, graphiste. Nous, on l'a pas considéré comme un passe-temps, hein. C'est un métier, en fait, pour nous. Donc, si tu viens en mode, c'est trop cool, ils arrivent à faire des logs pour aller travailler, donc toi aussi, tu as venu tirer tes cheveux. Tu as très vite compris. Zo Kalanga, David Donos et même Chris Macari n'ont pas l'ox, mais ils font un travail remarquable. Donc redescends un peu, je vais t'expliquer. C'est très simple. Tu vas te retrouver dans une classe de communication visuelle où tu risques de te perdre en fait. Pourquoi? Parce que la communication visuelle va venir vous rassembler vous tous. Graphiste, monteur, animateur, tout ce que tu veux. Photographe. Déjà si tu es arrivé là, félicitations parce que tu as décidé d'apprendre en fait. Tu te retrouves dans une classe, tu veux apprendre pour en faire de ça ton métier. C'est déjà bien. Mais en même temps, reste concentré. Parce que pour moi, c'est là que va se passer ton orientation. Ce que tu as fait là-bas, là, ces papiers, tu as écrit dessus hein, pour dire que tu es venu faire communication visuelle. Sinon, c'était même pas ça l'orientation. L'orientation va se faire à ce moment-là où vous êtes tous dans la même classe. Tu dois choisir. Tu dois savoir dans quoi tu es à l'aise. C'est la photographie, c'est dans le motion design, c'est dans le montage vidéo. Tu dois commencer à te spécialiser. Parce que vous allez toucher un peu à tout. Moi, j'étais déjà spécialisé en montage vidéo. Mais je voyais des gens qui venaient et qui n'avaient pas de base. Donc, ils étaient vraiment dispersés. Ils attendaient que l'école leur donne une orientation. Si c'est les écoles que moi, je connais là, de Côte d'Ivoire, tu ne vas pas avoir de base, mais en plus, tu ne pourras pas t'orienter vers ce que tu veux. À l'école, la grande partie de la formation est en théorie. Mais toi, tu dois t'accentuer en fait sur la pratique. Parce que c'est comme ça que tu pourras découvrir dans quoi tu te sens vraiment à l'aise. Donc si tu vois tes camarades, ils viennent avec leurs appareils photo, souvent tu prends, tu essaies de toucher, tu essaies de filmer, tu essaies de faire une photo un peu. Tu vois deux, trois mongols qui vont s'asseoir à la cafette pour faire affiche là. Tu vas t'asseoir eux pour voir si tu peux apprendre aussi à faire affiche. Tu vois, c'est comme ça que tu peux apprendre. Parce qu'en classe même, là, c'est la théorie. Mais pour moi, tant que tu es à l'école, profite pour vraiment apprendre. Et c'est là que tu dois vraiment toucher à tout. Mais au passage, les gens qui étaient très forts quand on était à l'école, là, qui étaient forts dans tout, là, j'espère vraiment que vous avez trouvé vos voies. Bon, on arrive à un point essentiel. Tu es en fin de cycle, tu as eu ton BTS, mais peut-être aussi que tu n'as pas eu, mais c'est pas grave, l'année prochaine est là. Ce qui est sûr, tu veux te lancer dans le métier, et c'est normal, hein, tu viens d'avoir un diplôme pour ça, et tu as une très bonne base de théorie. Moi, je pense que c'est bien, parce que tu veux faire le travail pour lequel tu as eu ton diplôme. C'est pas comme ceux qui ont eu le diplôme, après ils sont devenus commerçants sur les réseaux sociaux. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est vice-versa, hein. Il y a des gens qui quittent leur diplôme là-bas, d'autres étaient comptables, nous autres là, sont venus être dans le métier aussi. Donc, c'est pas étonnant que d'autres quittent le métier ici pour aller être commerçant. Soyez comptable au moins. Mais quand tu as ton diplôme et puis tu veux te lancer, ne laisse même pas une seconde ta théorie te faire croire que tu es fort. Cher ami, tu ne vaux rien. Pas débat. Parce que ici, c'est la pratique qui compte. Plus tu pratiques, plus vite tu t'améliores. Faut demander, ils vont t'expliquer. Comme le dit un ami, frame by frame. Départ, petit, il n'y a rien dedans. Pour terminer, cher ami qui a décidé de se lancer, tu es en fin de cycle, hein. Tout est bon, tu veux aller dans le milieu professionnel. Sache-le en même temps. Ça nécessite plus que de la théorie et même de la pratique. Le milieu demande plus de sacrifices en fait. Ça n'a rien à voir avec les deux là. Tu maîtrises en théorie, tu maîtrises en pratique, mais tu dois pouvoir te sacrifier. Ta théorie va te servir à discuter, faire les gros débats. Ta pratique va montrer ta puissance. Ton sens du sacrifice va pouvoir prendre certains projets. Parce que 100 000 c'est l'argent. Hein. Même si tu as grosse tête en théorie, mais 100 000 c'est l'argent petit. Le théorie est méchant. Sur ce, je vais vous demander simplement de mettre en commentaire comment vous avez fait pour trouver votre voie quand vous étiez à l'école. Et si vous n'avez pas fait le coup pour ça, comment vous êtes arrivé à ce métier-là? Ce serait bien de savoir et ce serait bien de partager ça sur Movie. On se prend pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine. Big up. Si prenez soin de vous, je vous... Je suis... Sache-le, on n'a pas compris ce que c'est. Donc si tu es en mode genre c'est trop cool, voilà, et puis là, tiens, c'est trop cool, voilà, et puis là, tiens.